Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette capsule vidéo. Il s'agit de Paint, Microsoft Paint, qui est installé sur Windows, et une application de ce Paint pour réduire la taille d'une image. Nous avons cet exemple-là. Donc, pour réduire la taille de cette image-là, je passe à ce bouton là, redimensionner, et là je passe à pixel. Par exemple, si je prends pour l'horizontale 10 1080, pour j'enlève cette conservation des proportions, et là 720, puis je fais OK. Voilà, sinon clic droit, puis redimensionner, je passe à pixel, je fais par exemple 80, j'enlève conserver la proportion sur 80, et voilà, maintenant c'est la taille de cette image a changé. Fais un clic droit, redimensionner l'image. Si je veux là changer le pixel, je fais 720 sur 720, par exemple, c'est OK. Donc, c'est possible de changer les dimensions d'une page, d'une image plutôt, par Paint. Si je passe par exemple à Paint ici, à des inclinaisons, je fais horizontal 30. Voilà, c'est l'image a été inclinée. Donc, si je fais 1080 sur 720, je fais l'image inclinée de 45 horizontalement. Voilà ce que je vais obtenir. Ici, je veux annuler. Le bouton d'annulation, il est là. J'annule les opérations jusqu'à première utilisation. Bien, la première. Voilà ce premier astuce. Ce deuxième astuce, si je veux juste, par exemple, avoir cette étoile-là, je clique sur sélectionner et je fais comme ça par la souris, et voilà. Maintenant je clique sur ce bouton là, rogner. Voilà, j'ai pris juste la partie que j'ai fait de l'image. Donc j'annule. Si je veux juste cette figure là, je sélectionne la figure et puis je clique sur rogner. Voilà. Maintenant, je peux changer la direction des figures. Je clique sur cette figure là, par exemple, et là je change pivoter. Voilà, pivoter. Voilà, pivoter 180 degrés, etc. etc. Donc, déjà pour Paint, Microsoft Paint, il y a beaucoup de propriétés qui pourraient vous être utiles dans votre traitement d'image, et c'est gratuit parce que c'est une composante de Windows. Merci et à très bientôt.